Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les demi-finales de la Conference League face au club espagnol. On aura également le match de championnat contre notre bête noire qui est du coup Tottenham. Je vous montre quand même le classement en championnat, comme ça, avant de commencer en Conference League. Donc du coup, voici un petit peu les clubs en demi-finale. Donc évidemment, il y a la place pour nous, hein. Je crois que c'est un club portugais et un club italien, et donc nous, le club espagnol. Donc il y a vraiment la place pour gagner cette Conference League. Et en championnat, comme vous pouvez le voir, on n'a pas encore joué la 34e journée, donc on peut se rapprocher, hein. On peut être à 75 points, donc à 3 points de Liverpool ensuite. Voilà, on peut, pourquoi pas gagner cette première ligue. Et Tottenham, du coup, qui sont 9e, mais on le sait, hein, Tottenham, ils peuvent être 15e, même dernier de première ligue. On le sait, c'est notre bête noire dans tous les carrières joueurs qu'on a pu jouer. Voilà, et dans tous les FIFA qu'on a pu jouer. On perd pas plus de temps, on est parti parce que j'ai déjà joué ce match. Et oui, je l'ai déjà joué. Et malheureusement, je sais pas, ils ont fait en sorte de rendre le jeu buggé pour qu'on puisse acheter FC24. Voilà, bref. J'ai eu une erreur de l'application. Encore une fois, j'en ai eu deux en quoi? En quelques semaines d'écart. Alors que sur l'année globale, C'est déjà la j'en ai eu quoi? demi-finale de Allez, cette peut-être un compétition, un an ou match deux de plein de plus. Et suspense. encore. Allez. On sera à l'extérieur pour ce Salut tout le match. monde, on est heureux de vous retrouver au Allez, Parc et du coup, Espagnol. ouais, Benoît voilà, donc on était en train de Herrera, perdre Sébastien, 3-2. Je vous explique un Benjamin petit peu le scénario du match. On était dans en la train de cabine perdre d'autoroute 3-2. pour Gabriel vivre ce match. qui Peut-être marque sur un coup de tête. c'est Et Omar, au moment, en je l'ai fait, dit, il monte le qui est ralenti, éliminé le de jeu cette freeze et demi-finale met à erreur de l'issue de l'UEFA l'application. Donc Europa voilà. Conference League Donc on et était en train de perdre, demi-finale hein. On allait finale perdre vraiment le match face à aller. Aston Villa. Bon tenu. Et du coup, petite parenthèse également, on aura les infos en carrière joueur normalement qui arriveront mercredi ou jeudi. J'espère que ça arrivera pas Mais quelque demain chose au me moment où je dit sors que cette l'on peut vidéo, mais faire la normalement ça différence. sera mercredi C'est ou ce jeudi, dont donc nous je vous sommes sortirai une vidéo le jour même, capables. quelques L'équipe est heures après, hein. essentielle parce que sa Donc voilà. continuité, c'est de rendre meilleurs ses La vidéo pourrait coéquipiers. sortir C'est à ça quelques le heures football après, voire collectif. même un Je peu te plus tard dans donne la tous les soirée. meilleurs et ensemble, on est Mais les voilà, meilleurs. on va avoir toutes les infos en carrière, on ira voir tout ça sur le site de EA, etc. Tout ça Bien joué pour ensemble. le coup de la défense. Et ouverture du Et on va score faire la différence. de l'équipe espagnole. Au revoir. Alors, Et s'il ce vous plaît, je vous geste laisse le ralenti, mais spectaculaire qui pas permet d'erreur d'effectuer d'application. un décalage. Et Ok. ensuite, c'est facile. Et pour finir l'action, À mieux chaque fois qu'il y a positionné un lui ralenti, j'ai permet peur, de les gars. frapper en force. Un peu plus compliqué. À cette distance, pourquoi pas? Ah, une relance Oh! nécessaire pour intervenir. Allez, Enzo Fernandez, l'Argentin, qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, qui sera évidemment modélisé hein, sur FC24. Le C'est pas mal corner. ça. Ouh, il est manqué Boum! ce dégagement. Attention, ce n'est pas Oh! terminé. Allez, ballon rentre. Oh, Attention, dommage. c'est pas fini. Et bah pour Très bien. l'instant, c'est serré, hein. C'est Pour serré, cette on a du mal action, à trouver l'ouverture. la Real On va Sociedad pas qui s'en veut se prendre un projeter dans deuxième le par camp contre, parce adverse. que ça nous mettrait quand même pas très très bien. Ça force sur les côtes. Moussa Dembélé, Oh mon la frappe Garcia, oui, qui faut le s'élève prendre ce et c'est ballon. l'arrêt. C'est impressionnant que de telle distance le ballon soit détourné. Allez, un but juste avant la mi-temps. Au-dessus. Ça passe à ras de terre. Maintenant, est-ce que je vais Et passer l'action sur le côté? continue, c'est une bonne Absolument pas. séquence. Il va falloir trouver du soutien. Le ballon pour On a pris dans Gabriel la Jesus. surface. C'est Et il magnifique. s'active. Et oui, c'est dedans. C'est magnifique. C'est exactement ce qu'il nous Kovacic fallait marquer retrouve juste avant la pour reprendre mi-temps. ce ballon, le propulser au fond des C'est filets. magnifique l'action Et pour le quelle coup. avance! On le voit, le centre qui part, tout le monde qui Hop, et regarde. ensuite la petite remise Lâche pour son Enzo que j'avais adversaire pas qui du tout rentre vu. les yeux. Et La après nouvelle avoir recrue, poussé, la dernière l'idée c'est recrue pas de la pousser dans le but, mais d'Aston d'arriver à finir Villa. le coup. Magnifique. Et d'ailleurs, on a sorti l'épisode avec Laïna Fares, hein, la sœur de Youssef Fares, pour ses débuts en Coupe du Monde. Je vous invite à aller voir l'épisode, hein, parce que vraiment les scénarios du match sont plutôt pas mal. Toujours Mais ce surtout, je voulais pressing rebondir sur le fait que du coup, il n'y voilà aura pas de carrière le joueuse mardi sur la sur distance ici FIFA. Tout simplement parce qu'en fait, ils ont dit qu'il manquait de licence, il manquait de licence de club. Et que bah, du coup, en fait, au moment des transferts, il se peut qu'il y a beaucoup trop de joueuses qui en fait changent de club beaucoup trop fréquemment. Donc du coup en fait ils veulent attendre, mais c'est sur quelque chose auquel ils travaillent, c'est ce qu'ils disent. Si déjà on a un bon mode carrière Voici donc joueur, une ça autre sera période déjà pour pas cette mal. Et puis les demi-finale joueuses aller d'Europa arriveront Conference League. tout simplement automatiquement par la suite. Je me fais pas de soucis par rapport à ça. La seule chose auquel je me dis c'est que bah sûrement que peut-être quand ils vont rajouter la carrière Débattre joueuse, je serai intéressante peut-être avec plus pas mal sûrement d'options là disponibles. pour vous proposer de la carrière joueuse, mais. Il va aller provoquer dans l'axe. Oh la Et barre! cette frappe sur Dommage. barre Parce que là, transversale. je vous Le avoue ballon que sort. Ça ça ne joue à fait. rien du tout. Ça va faire. Surtout, poteau
la FC 24, ça va faire 9 ans que je suis sur YouTube. Donc, je peux voir peut-être faire encore 2 ans. Ça aura fait 10 ans que je suis sur YouTube. Et ensuite, j'arrêterai pas forcément YouTube, mais voilà, je ferai peut-être d'autres choses en termes de contenu sans me préoccuper de tout ce que je faisais auparavant, des chiffres, etc. Et pourquoi pas une occasion. Qu'est-ce qu'il fait le gardien? Mais. Non mais attends. Non mais. Mais les gars. Mais mon joli. Non mais. Non mais. Excellente intervention. Attendez. Non mais on voit tous la même chose là ou pas? Attendez, mais qu'est-ce qui se passe là? Oh c'est bon, on a retrouvé. Mais what? Le corner. Allez, voilà un coup de tête inoffensif, marquage 13. Dommage la tête. Elle était pas mal. Non par contre les gars, non mais. Mais j'ai le jeu le plus buggé, mais c'est pas possible. 70e minute. Toujours 1-1. Gardez ce score. Vous marquez. Évidemment. Et faire en sorte qu'on soit bien pour le match retour. La Real Sociedad qui va mettre en tout cas encore dans la course. Attention à Dembélé. Oh l'angle qu'il a trouvé. L'angle de but qu'il a trouvé. C'est pas possible. Oh là là, mais il n'y a rien qui va là dans ce match aller. Je vais voir le ralenti. J'espère que ça va pas bugger. Je prie à chaque fois sur les ralentis les gars. L'angle trouvé là-dessus encore. Oh là là. Regardez. Ok, ils ont encore changé de jeu. 5 dernières minutes. Putain, oh, j'ai une note de merde. Oh, j'ai une note de merde en plus. Mais regardez, le gardien il joue attaquant, bordel. Eh les gars, si le gardien me met un but. C'est pas évident, mais très bonne couverture. Ouais, bien joué, Pierre. Il devient fou. Dans la surface. Nous aurons comme droit à 2 minutes de jeu en plus. Bon, l'égalisation peut-être. Ouais, allez. Mais ce n'est pas fini. Non, c'est moi qui ai enlevé le. Non, mais pourquoi je suis sur la trajectoire? Putain. Bon, défaite 2-1 sur un match totalement. What the fuck. Allez, on est parti. Tottenham. Liverpool qui joue contre Wolverhampton. Ok, donc nous on est pas mal. Tottenham, on l'air quand même pas mal fatigué. Bon, la défense à 5 par contre. Le seul vraiment moment où on peut les avoir, Tottenham, assez facilement, c'est sur les corners. C'est inévitable. Parce que sur les corners, j'ai l'impression qu'ils jouent avec une tactique avec beaucoup de joueurs dans la surface sur les corners. 41 buts hein, pour nous. Exceptionnel aussi. Je pense que c'est la meilleure saison en prenant les paramètres actuels du jeu. Parce que avec Villarreal, on avait fait 60 buts, je crois. Avec compétition confondue, mais on jouait juste en difficulté ultime sans avoir modifié les paramètres. En conférence league, je sais même pas combien de buts on a. Attention! Ok. Il faut gagner ce match. Hein. Si on perd ce match, on pourra dire au revoir au titre. Et Liverpool qui gagne 1-0. Bah ouais, putain. Oh, j'avais mis une frappe croisée à l'opposé. Ok. Il faut absolument qu'on marque en premier. Un but qui est marqué à l'instant, un but au Molineux Stadium. Oui, tous les duels aériens, il les gagne. Wolverhampton qui égalise face à Liverpool. Let's go. Si Liverpool peut faire match nul, c'est toujours ça. Hein. Parce que malheureusement, en différentiel, ils ont clairement l'avantage, Liverpool, mais de très très loin. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. C'est passé sur le côté. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Et ici, l'occasion pour mener. Oh, la bonne parade. Dommage pour la frappe. Voilà, là, Liverpool qui fait 1-1. Et attention, ça repart de l'autre côté. Ce long ballon, oh, c'est bien donné. C'est bien donné.
Mais c'est très bien défendu. C'est très 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 bien défendu. 60e minute encore, une bonne défense. Il est pas mauvais, hein. Il est pas mauvais, mon défenseur. Ah putain, j'aurais dû lâcher avant. J'aurais dû lâcher avant. Ouf. Putain, on va partir sur un 0-0. Non mais comme je vous dis, quand je vous dis que Tottenham, c'est à chaque fois, c'est tout le temps la même chose. Le problème, c'est que j'aurais bien voulu que Tottenham ait un corner en fait. Ok, c'est là-dessus, c'est là-dessus. C'est là-dessus. Let's go. On n'a pas trop attendu non plus pour qu'on se ferme trop l'angle. Oh, ça passe sous la jambe du défenseur. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance là-dessus. Ouais, ça passe entre les jambes. On a changé de poste. On est passé attaque en gauche. Le centre ne passe même pas le premier rideau. Ok, je vais garder le ballon. Je vais garder. Ok, c'est terminé. C'est terminé. Ils sont offensifs. Let's go! Let's go! Allez, 3 points de prix! Il nous manque plus qu'une défaite de Liverpool et ça nous met très bien. Et ben voilà, parfait. Pour le différentiel aussi, c'est pas mal. Hein. Différentiel, de toute façon, on pourra pas rattraper Liverpool, je pense. Mais bon. 2-0, on prend quand même. À moins qu'on en encaisse un. Et oui, bien sûr. Fallait que j'ouvre ma bouche. Non, mais c'est incroyable. Hein. Victoire 2-1 face à Tottenham. Regardez au niveau des stats, 4 tirs pour nous, 5 tirs, passe réussie. C'est très serré, hein, au final, on a un peu plus de tacles, hein. Donc là on a 4 points. Donc c'est pas... Ah oui, mais attendez, on a 4 points mais on a une journée de retard toujours. On a toujours une journée de retard. Liverpool qui va affronter Everton. Everton qui sont bien classés, ils sont 11e. Ouais, ils sont 11e. Niveau compo, ça donne quoi? On est tous à 100%, putain. Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Je dis des bêtises, mais ouais, ça va. Ça va, par contre, eux, ils sont à 100%. Allez, let's go. Ok, ça commence mal. Quel coup d'envoi, ça commence mal. Oh non. Oh, le coup dur, là, d'entrée. Important ce match. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Olé, le bon mouvement. Le tir. Let's go. Attends, on est beaucoup plus fort sur les côtés pour donner des ballons que dans l'axe. Ce n'est pas le plus difficile à mettre. Giovanni Reina reçoit le ballon. Ballon pour Moiskin. Oh, les corners à deux, j'aime pas ça. Ah, voilà, c'est sans aucun problème pour la défense. Voilà, ils sont combien? Ils sont que deux. Et ça peut être dangereux. Let's go. On recommence tout à zéro. Et regardez, on a encore le bug du gardien. Regardez le gardien là-bas. Ils ont changé de joueur. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais bordel. Mais bordel. Mais comment ça? Mais c'est quoi ça? Une minute d'arrêt de jeu minimum. Ah non, ça va pas. C'est n'importe quoi. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Boum. Oh, il la frappe. Et c'est au fond, au but. C'est vigilante. Au-dessus. Ah, trop tard. Alors, prochainement, après ce match, nous nous retrouverons pour un rendez-vous de Première Ligue. Oh oui. J'ai bien joué, ça. Allez. Let's go! Let's go! On va y aller en finale! On va y aller! Ouais, ça joue maintenant dans un couloir. Second poteau. Allez, faut la tenter. Boum! Oh! Bah, Ryan, qu'est-ce que tu nous as fait là-dessus là? Le ballon est perdu dans cette partie. Les 10 dernières minutes, on a un petit contre. On a un petit contre, même si c'est pas mal revenu. En défense. Dans les tribunes, on attend un tir. Oh. La frappe. Dommage. Dommage, c'était pas mal le petit tacle glissé du Brésilien. Bien joué, bien joué. Le petit dégagement. La petite tête. Oh là là. C'est magnifique.
Ah, bon, par contre, physiquement, je viens de me faire. Oh! Oh oui. Oh oui, c'est magnifique. Et bah voilà. Voilà, au final, le match retour se passe bien mieux qu'on le pensait. Et on aurait eu encore ce moment what the fuck avec le changement de gardien. Et voilà, c'est terminé, 5-1. Tout se passe à merveille, c'est parfait. Du coup, la finale se jouera quand? Donc nous, on va affronter Newcastle. On va aller faire un point classement après. Ok. Donc du coup, on donne rendez-vous pour la fin du championnat. Et peut-être que la finale, du coup, on se fera dans un épisode un peu spécial, juste uniquement la finale. On verra. On verra pour voir un petit peu. Donc là, on est deuxième, 75 points. Vous pouvez voir qu'on a joué, on n'a pas encore joué la 35e journée. Donc ça veut dire qu'on peut revenir en cas de victoire à un petit point. Et ensuite, derrière, il va falloir qu'on enchaîne les victoires. Liverpool, ils vont affronter Everton. Nous, on va affronter Watford. Liverpool, ils vont affronter Leeds, qui sont quatrième. Donc en vrai, il y a moyen. Là, pour le coup, on ne sait pas si on va devenir champion ou pas. Mais ça sera à suivre dans le prochain épisode. Donc voilà, en tout cas, pour cet épisode, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésite pas également à mettre le petit commentaire. Et puis, on se retrouve du coup, prochaine vidéo, ça sera sûrement, c'est même sûr, la vidéo info sur le mode carrière joueur. Donc, tout dépendra quand va sortir les infos. Mais dans tous les cas, je vous sors ça dès le plus tôt possible derrière. Donc, voilà, activez la petite clochette. Et puis, à très vite pour la suite. Ciao tout le monde.